Je tiens cette bouteille de vin ici, Banjo. Si tu savais comment ça a été difficile pour moi de trouver cette bouteille pour marquer ce jour. Le 8e anniversaire de ta mort. Tu sais, les gens ne valorisent plus le bon goût du vin comme tu le faisais. Mais du fond de mon cœur, je sais que tu ne me pardonnerais pas si je n'avais pas pris cette bouteille pour marquer ce jour. Donc, j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer de l'avoir aujourd'hui, pour marquer. Ça fait 8 ans, Banjo. 8 longues et difficiles années à vivre sans toi, mon amour. Mais tu sais, je me suis promise de ne plus jamais pleurer, ouais. Parce que tu étais un grand homme. Ton amour et ton héritage vivront à jamais dans mon cœur. Je t'aime. Tu me manques, Banjo. Ouais. Je ne vais plus pleurer. Je t'aime. Je t'aime. Tu me manques. Tu me manques, mon amour. Tu me manques. Nous devons parler, maman. Tout de suite. Bonjour, Vina. Viens dormir, j'espère. Oh, ne me flatte pas. Ça me rend malade. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Tu sais ce que je veux. Pourquoi me rends-tu la vie si impossible? Écoute, Vina. Si tu pouvais être un peu plus explicite, cela m'aiderait à comprendre ce que tu veux ce matin. Le vendeur de voiture m'a appelé. Ok. Il m'a appelé pour me demander quand est-ce que je ferai le virement pour ma nouvelle voiture. Comment peux-tu m'embarrasser de la sorte? Ça me surprend qu'on ait encore à parler de ça. Je croyais t'avoir fait comprendre que je ne te donnerai pas un rond, pas un kobo pour cette voiture. Quoi? Oui, tu m'as bien entendu. Tu as déjà 2 voitures. Alors à quoi te servirait une autre? Donc, si tu sens le besoin d'avoir une autre voiture, tu dois l'acheter toi-même. Ma chère fille, excuse-moi. Vina, tu as perdu la tête ce matin? Oui. Oui, j'ai perdu la tête et tout ça à cause de toi. Comment? Je veux ma part des propriétés de mon père. Donne-moi ma part et je te promets, je te laisserai tranquille. À jamais. Tu veux ta part de propriété de ton père? Oui. Comme ça, tu pourras aller gaspiller l'argent que ton père et moi avons travaillé dur pendant des années, n'est-ce pas? Cela n'arrivera jamais, Vina. Jamais. C'était aussi mon père. Je l'aimais autant que tu l'aimais aussi, maman. Oui. Et ton père était assez sage pour comprendre le genre de femme que tu allais devenir. C'est pour ça qu'il m'a mis au contrôle de tout. Tu es ma fille, Vina. Mais tu n'obtiendras jamais ce que je crois que tu ne mérites pas avant le moment venu. Jusqu'à ce que tu me prouves que tu ne seras plus une fille dépensière et que tu seras plus responsable. Le genre de femme dont ton père serait fier. Je ne suis pas le problème, maman. Je ne suis pas la raison pour laquelle tu as décidé de vivre une vie dépourvue de bonheur et de plaisir depuis que papa est mort. Je veux être seule, Vina. Non! Papa est mort! Va de l'avant, maman!
Mais t'as pas besoin de te priver, de mener une vie dépourvue de bonheur et de plaisir. Dégage de mon chemin, ou je ferai quelque chose que toi et moi allons regretter. Je me fiche pas mal, maman. Je me fiche pas mal. Tu t'es renfermée dans un trou par rapport aux affaires de papa depuis qu'il est mort. Tu ne sors plus avec tes amis pour faire la fête, t'amuser comme t'avais l'habitude. Et sincèrement, je me fiche pas mal si c'est comme ça que tu décides de vivre ta vie, mais tu me tires avec toi dans cette vie remplie d'ennuis et triste, et ça me rend malade, maman. J'en ai marre. Je ne le supporte plus, donc maman, tu sais quoi? Sors! Amuse-toi avec tes amis. Fais-toi plaisir. Peut-être que là, tu te rendras compte qu'il y a plus dans la vie que de pleurer. Je suis sûre que papa souhaiterait la même chose. Madame. Madame Ola est ici pour vous voir. Oh, faites-la entrer, s'il vous plaît. D'accord, madame. Ok, merci. Jolie dame. Oh, t'es ravissante. Assieds-toi, assieds-toi. Mais toi aussi. Tu l'es également, et je suis contente de te voir comme ça. Juste que tu as refusé de nous rendre visite. Ah, Ola, je croyais vous avoir rendu visite il n'y a pas longtemps, pas vrai? Mais ça date d'il y a au moins 7 mois. Et durant cette période, j'ai organisé 2 événements et je t'ai invitée, mais tu n'es jamais venue. Même ceux que nous avions organisés, tu ne t'y es jamais présentée. Voyons. Ola, tu es ma meilleure amie. Oh. Tu sais bien que je n'ai jamais eu un faible pour les fêtes, surtout quand j'ai une tonne de travail à faire au bureau. Eh bien, si tu le dis, Vina est venue chez moi ce matin. Cette fille, je ne veux même pas parler d'elle, encore moins de ce dont elle est venue se plaindre chez toi. Calme-toi, Mophée. Nous nous sommes mariés la même année et depuis lors, nous sommes des amis très proches. Tout ce que Vina attend de toi, c'est que tu sois heureuse. Regarde-toi, tu as 40 ans, mais tu agis comme si tu en avais 80 depuis que ton mari est décédé. Allez, tout ce que je veux, c'est que tu te lâches un peu. Que tu donnes une chance à la vie parce que l'amour et la vie t'attendent là-dehors. L'amour et la vie? Oui. Ola, s'il te plaît, ne me fais même pas rire. L'amour et la vie. Oui. Excuse-moi. L'amour et la vie sont morts à la seconde où mon bon Joe est mort et m'a laissé seule dans ce monde froid. Tout ce qui m'importe à présent est de me rassurer de la continuité de son héritage. Plus rien d'autre ne m'importe. Rien d'autre. Mophée, est-ce que tu es en train de me dire que tu vas mener le reste de ta vie comme ça? Mais qu'est-il arrivé à tous les hommes qui m'ont demandé à t'être présenté? Est-ce que tu vas écarter la chance d'être à nouveau heureuse dans la vie? Tu ne comprends pas, Ola. Je suis déjà heureuse. Écoute, les souvenirs que je partage avec mon bon Dieu me rendent toujours heureuse. Un autre homme serait comme un poison et je ne veux pas de ça. Ok. Vina dit que tu ne lui as pas donné assez d'argent pour acheter les choses. C'est qui... bon, c'est bon. Vina, Vina, Vina. Ma chérie, qu'est-ce que tu désires? Laisse-moi t'offrir quelque chose. Thank you.
Bienvenue, monsieur. Ouais, merci. Comment tu vas? Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci. D'accord, monsieur. Ouais. Merci. Que voulez-vous? Une chance de mieux vous connaître. C'est tout ce que je veux. Alors, nous nous sommes déjà rencontrés. Ah. Je vous connais. C'est une question que je vais poser à Dieu. Pourquoi il m'a gardé loin d'une très belle dame que vous aussi longtemps? Hein? Quel âge avez-vous? Et pourquoi demandez-vous? Je demande parce qu'il est important que vous sachiez que je ne traite pas avec des hommes de votre âge. L'âge? Mon âge? Les nombres? C'est bien ça, les nombres? Hein? Allez vous chercher une autre paume à croquer. Parce que je vais vous étrangler à mort si vous essayez. Veuillez m'excuser. Qu'est-ce que c'est ça? Madame, un livreur est passé tout à l'heure. Le livreur? Oui, madame. De la part de qui? Ah, madame, il y a une note attachée à la livraison. J'étais vraiment très occupée quand le monsieur est arrivé. Donc, je l'ai amené là. Il l'a déposé et puis il est reparti. Chioma. Madame. Comment pouvez-vous accepter des cadeaux venant de parfaits inconnus, sans ma permission? Je suis vraiment désolée, madame. Je ne savais quoi faire. Je n'avais jamais vu quelqu'un vous livrer des cadeaux. Allez-vous fermer votre bouche? Priez juste qu'un jour, cette indiscrétion de votre part ne vous coûtera pas votre travail. Allez, sortez! Kenneth? Mais qui est Kenneth? Chioma, revenez. Madame. Maintenant que ce soit la première et la dernière fois, je vous préviens de ne plus jamais accepter un cadeau en mon nom, sans ma permission. Est-ce que c'est compris? Surtout lorsque ce cadeau n'est pas bénéfique pour cette entreprise. D'accord, madame. Je suis désolée, madame. Désolée pour vous-même. Allez-vous dégager ces trucs de ma table et assurez-vous de préparer le dossier pour ma réunion de ce matin. D'accord, madame. Madame, s'il vous plaît, je fais quoi de tous ces cadeaux? Vous savez quoi? Rassemblez-les. Amenez-les dans votre village. Et partagez à vos aînés. Madame, allez-vous dégager d'ici avec ces bêtises? Je suis vraiment désolée, madame. Avec ce papier. Tout ça. Sortez. Je fais quoi de ça?
Salut. Qu'est-ce que c'est, jeune homme? Vous m'espionnez? Ah, vous espionnez? Ce serait une expérience très enrichissante, vous ne croyez pas? J'ai découvert où vous travaillez parce que j'ai posé des questions, je me suis renseigné. En passant, vous avez reçu les fleurs que je vous ai envoyées, je les ai choisies de moi-même. Oh, c'était vous? Ouais, vous c'était êtes moi. Kenneth. Je suis Kenneth. Je suis consultant en informatique, agent immobilier. Excusez-moi. C'est évident que vous m'espionnez. Alors, si jamais je vous apercevais encore près de moi, cela voudrait dire que vous voulez passer un bon bout de temps au commissariat et je m'en assurerai. Essayez-vous. Mais voyons. Excusez-moi. Calmez-vous. Qu'est-ce que je prends? Bon après-midi, madame. Soyez la bienvenue. Oui, merci. Ok. Alors, vous avez des frites de pommes? Oui, madame. Nous avons des frites de pommes. D'accord. Et du poulet grillé au barbecue? Oui, madame. Avec des frites de pommes? Ok, madame. Votre commande sera prête dans quelques D'accord. minutes, madame. D'accord. Merci. Ok. Et pourquoi sourit-elle comme ça? Excusez-moi. Ouais. Apportez-moi votre POS pour... Non, madame. Vous n'avez pas besoin de payer la facture. Je ne comprends pas. Vous servez de la nourriture gratis à présent? Non, madame. Mais quelqu'un s'est déjà chargé de votre facture bien avant que vous n'arriviez ici. De quoi est-ce que vous parlez? Tout ce que j'essaye de dire, c'est que quelqu'un a déjà payé votre facture, madame. Vous n'avez pas besoin de payer la facture. Jeune dame... Vous commencez sérieusement à me perturber. Non, madame. Maintenant, voilà l'argent pour ce que j'ai commandé. Je suis sûre que c'est un peu au-dessus. Vous pouvez garder la monnaie et merci. Bienvenue, madame. Merci, Chioma. Chioma. Madame. Vous n'êtes plus allée déjeuner? Si, madame, je venais de rentrer. Oh, super. Je serai très occupée dans mon bureau à préparer le briefing pour le ministère, alors je ne veux pas être dérangée. Ok, madame. Ok. Madame, un jeune homme est passé vous voir tout à l'heure. Il est venu juste après que vous soyez partie déjeuner. Il a dit qu'il repasserait. Et comment s'appelle-t-il et pourquoi veut-il me voir? Pour les affaires. Juste les affaires. Juste les affaires. Pas mal. Pas mal du tout. J'adore vos chaises. Tout ce qui est de vous est vraiment si classe, c'est ça? L'unique raison pour laquelle je ne vous ai pas fait jeter dehors quand vous êtes revenu dans ma compagnie, c'est parce que je ne voulais pas agir comme un tyran devant ma secrétaire. Alors vous avez 2 minutes pour dire ce que vous avez à dire et de dégager. Ok. Passez une bonne journée. Qu'est-ce que vous faites? Je m'en vais. À quel jeu vous jouez? Je ne joue à aucun jeu. Je suis venu ici pour vous dire quelque chose de vraiment, vraiment très important. Mais vous voyez cette attitude grossière et arrogante? Désolé, je ne le supporte pas. Grossière et arrogante? Exact. De quelle absurdité parlez-vous? Vous m'avez espionné. Vous entrez dans mon bureau sans m'aviser. Vous m'envoyez des fleurs que je ne vous ai pas demandées. Vous payez ma facture au restaurant sans ma permission.
Et vous avez le toupet de vous tenir devant moi et dire que je suis arrogante et grossière? Oui, vous êtes grossière et arrogante, vous balancez les cadeaux que je vous offre, vous me menacez de me faire arrêter, de me jeter hors de la compagnie. En fait, l'hôtel m'a appelé pour m'informer que le département de la restauration leur a appelé, que vous avez refusé le repas que j'ai payé pour vous. Pourquoi? Cela fait de vous quelqu'un de grossière et arrogante. Alors, sortez de mon bureau et ne revenez plus jamais. Sortez d'ici. Très bien. Quoi? Ça vous a choqué tant que ça, n'est-ce pas? Je vous ai eu. Je vous ai eu. Regardez la tête que vous faites. Quoi? Écoutez. Écoute, Thierry, je n'irai nulle part. Vous pensez que j'ai parcouru tout ce chemin pour venir m'asseoir ici avec vous, jolie dame, et tout gâcher ensuite? Non. Nous allons avoir cette conversation, chérie, écoutez-moi. Vous me plaisez beaucoup, ok? Quand je vous ai vu pour la première fois, mon cœur s'est arrêté. Vous êtes de toute évidence le genre de femme que je veux. Je vous adore. Si vous pouvez juste vous calmer et nous donner une chance, ce serait génial. Et laissez-moi vous dire un truc. Cessez de me menacer d'appeler la police et de dire à ces gars de me mettre dehors parce que ça ne marchera pas, parce que la police tout entière ne pourra pas m'empêcher de venir. Je viendrai ici tous les jours jusqu'à ce que vous nous donniez une chance. Ok? Tout ceci afin que vous et moi puissions parler et mieux nous connaître. Alors, on essaie? Hein? J'appelle la sécurité de toute façon. Ok, allez-y. J'ai toute la journée. Allez, je vous aime. Arrêtez de me combattre, hein? Ah, nous avons une longue journée. Chioma. Madame. Je sais que la journée a été longue. Alors, à votre retour, travaillez sur les briefings et revenez demain à 9h. D'accord, madame. Bonne soirée. D'accord, bonne soirée. Bonsoir. Que faites-vous encore là? J'attends que vous me parliez comme un être humain. Vous m'attendiez? Pourquoi? Je vous aime. Jeune homme, qu'attendez-vous de moi? Je m'appelle Kenneth. Je ne pense pas que ce soit si difficile à prononcer, n'est-ce pas? Ok, Kenneth. Qu'attendez-vous de moi? Avoir la chance de discuter avec vous, de me rapprocher de vous et de mieux vous connaître. Je vous aime. Hein? Bien. Ce ne sera pas possible, mon cher. Et pourquoi? Et c'est parce que je suis une femme mariée. Vous êtes veuve, mon fait, et pas mariée. Vous connaissez mon nom? Je sais pas mal de choses sur vous. Je me suis renseigné, mon fait, je suis navré. Mais quand un homme veut vraiment d'une femme, il fait tout ce qu'il peut. Je ne cesse pas de penser à ce jour où j'ai posé les yeux sur vous dans ce restaurant. Je suis nouveau ici, je suis vraiment vraiment nouveau. Et donc, je vais là-bas de temps en temps pour déjeuner. Mais vous êtes entré dans ce restaurant ce jour-là et quelque chose s'est passé dans mon cœur. Et maintenant, je suis là, je vous demande s'il vous plaît. Donnez-moi juste une chance. Permettez-moi, pour un début, permettez-moi d'être votre ami, ok? S'il vous plaît. Je veux juste qu'on parle un peu. Merci d'avoir accepté sortir avec moi prendre un café. Je me suis très bien amusé. Contente pour vous, Kenneth. Bonne nuit. Excusez-moi.
Je sais que c'est un rêve qui devient une réalité. Je veux dire, d'avoir passé cette soirée avec vous. Mais j'ai quelque chose en tête qui me perturbe un peu. J'ai essayé de ne pas en parler, mais ça me revient toujours, vous voyez. Et qui est? Le fait que vous soyez restée silencieuse, vous n'avez pas beaucoup parlé, encore moins rire. Vous ne m'avez presque pas souri comme si j'étais une compagnie ennuyeuse. Vous vouliez passer du temps avec moi et mieux me connaître, pas vrai? Oui, absolument. Alors vous l'avez eu ce soir. Et c'est parce que je voulais vous faire connaître la vraie moi. Et ça, c'est moi, Kenneth. Je ne suis pas la femme idéale pour vous. Et ça n'a rien à voir avec la classe sociale ou quoi que ce soit. Alors, de quoi s'agit-il? Et c'est dû au fait que je n'ai pas cessé d'aimer mon défunt mari. C'est dû au fait que je suis incapable d'être avec un autre homme depuis que mon mari est mort. C'est dû au fait que j'ai partagé de bons souvenirs avec lui et je ne suis pas prête à les effacer. Alors, vous voyez, ça, c'est la vraie moi, Kenneth. Je ne suis pas le genre de femme pour qui vous devez perdre votre temps. Passez une bonne nuit. Passez une bonne nuit. Ferme le portail. Maman, t'es rentrée à quelle heure? Il n'y a pas longtemps, je suis exténuée. Moi aussi, je dois avoir... Reste là, j'ai quelque chose pour toi. Donc, tu ne m'as pas dit que t'as un amoureux qui s'appelle Kenneth. Oh mon Dieu, maman, ce sont des fleurs, du chocolat. C'est incroyable. Moi, je crois que je vais aller prendre mon téléphone. Mes amis sur Facebook et Instagram seront tellement déconcertés. Calme-toi, Vina. Comment est-ce que ceci est arrivé dans cette maison? Le garde de la livraison les a apportés ici. J'étais stupéfaite. J'ai dû signer à ta place. C'est trop romantique, maman. Je crois qu'il y a une carte quelque part. Tu sais quoi? Je vais chercher mon téléphone. Ça sent trop bon. Oh mon Dieu! Ce garçon, il est terrible. Et têtu. Ah ah! Y a-t-il un problème? Madame, vous devez voir quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Veuillez m'excuser, madame. S'il vous plaît, veuillez entrer. Bon après-midi, madame. C'est quoi cette saloperie? Eh bien, l'un de nos clients, Monsieur Kenneth, a payé pour votre déjeuner, madame. Je peux voir que quelqu'un essaie de me faire une fausse blague. Et je ne suis pas d'humeur. Alors prenez ce repas. Et sortez de mon bureau avec ça avant que je ne le foute par terre. Je suis désolée, madame, mais je ne peux pas faire ça.
Je vous demande pardon. Il m'a été dit que si vous n'acceptez pas le repas, je dois le laisser ici, madame. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Revenez. Allô, mademoiselle. Oh, oh non. Et vous trouvez ça drôle? Je suis désolée, madame. Vous êtes désolée? C'est quoi tout ce sourire? Mon ami, dégagez d'ici. Madame. Je ne sais pas ce qu'il y a de drôle ici. Et vous... Vous violez ma propriété, Kenneth. Est-ce que vos parents ne vous ont pas appris assez à respecter les gens, leurs souhaits et leurs droits? Ma chère dame, vous allez devoir appeler la police pour me faire arrêter parce que je ne partirai pas d'ici. Oh, vraiment? Oui, parce que je suis tombé amoureux de vous. Et je ne cesserai pas de venir ici jusqu'à ce que vous nous donniez une chance. Vous pensez que cela m'impressionne? Vous pensez que je suis impressionnée par la grosse carte que vous m'avez envoyée, par les grands repas que vous envoyez à mon bureau? Laissez-moi vous dire que c'est exactement où cela doit être, dans une poubelle. Peu importe. Sortez de ma propriété tout de suite. Non, je ne le ferai pas. Sortez de ma propriété ou alors je dirai à la sécurité de vous jeter dans les caniveaux. Je n'irai nulle part parce que j'ai décidé d'exprimer ce que j'ai dans le cœur et de faire mes preuves. Et d'ailleurs, j'ai pris congé. À mon bureau. Je serai ici tous les autres jours jusqu'à ce que vous nous donniez une chance. Très jolie dame. Je n'abandonne pas si facilement, vous savez. Allez. Je ne suis pas si moche quand même, vous pouvez le constater. Donnez-nous une chance et ensuite on verra qui c'est. Un instant. Salut. Vous? Salut. Je vous en prie, je vous en prie. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Vous êtes la bienvenue. S'il vous plaît, asseyez-vous par ici. Juste là. Voilà. Ah. Bien. Oh, mon Dieu. Merci d'être venu. Merci d'être là. Je ne m'attendais pas à recevoir de visite. Qu'est-ce que je peux vous offrir? N'importe ne vous quoi. En faites pas, j'ai quelque chose. Un instant, j'ai quelque chose de vraiment très bon. Et voilà, vous savez. Et donc ça c'est moi, c'est ici que je... C'est ici que je vis depuis 4 mois déjà. C'est ce que la compagnie offre pour ceux qui ont été transférés. Je sais que ce n'est pas grand chose, mais c'est ce que la compagnie fournit, vous voyez. Et alors, ça va comme tu veux? Ok. Si ça ne vous dérange pas, je... Ouh. Ok, à vous d'abord. Voilà, merci. Merci. Ouais, super. Merci. Je vous en prie. Ah, voulez-vous que je vous... Que je vous fasse quelque chose à manger. Ma salle à manger est juste là et je ne l'ai jamais utilisée depuis que je suis là. Ne vous inquiétez surtout pas, faites-moi confiance. Je suis un vrai cordon bleu, je peux vous faire quelque chose de vraiment très bon. Quoi? Je ne devrais pas être là. J'ai dit quelque chose de mal. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? Écoutez. Si c'est à cause de cet endroit, je sais qu'il n'est pas à votre goût. Mais je vous supplie de me comprendre, c'est ce que la compagnie a fourni. Ne me laissez pas, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas. Je ne devrais pas être là. Je n'ai jamais été seule avec un homme.
depuis 8 ans que mon mari est mort. Du coup, c'est vraiment difficile. Ce n'est juste pas approprié. Je suis navrée. Oh, mais non. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Mais pourquoi voulez-vous me laisser? Pourquoi? Poussez-vous de mon chemin. Je dois partir tout de suite. Et qu'est-ce que c'est dans vos yeux, Mofé? Est-ce que je vous attire tellement au point où ça devient insupportable pour vous que vous refusez de l'admettre? Je suis désolée. Non, je veux le savoir. Dites-le-moi. Hein? Est-ce que vous m'aimez tellement? Tellement au point où il est difficile pour vous de l'admettre là devant moi? Je Quoi? Ne peux pas faire ça, c'est je vais le faire. Tu dois absolument tout me dire, chérie. Pourquoi vous vous battez contre moi? Pourquoi vous me repoussez? Poussez-vous de mon chemin, je dois partir tout de suite. Je ne veux pas que vous partez, allez. Hein? Ne partez pas. Hein? Laissez-vous faire, allez. Détendez-vous. Laissez-vous aller. Salut, madame, qui êtes-vous? Veuillez m'excuser. Mais où est ma mère? Je veux dire, vous êtes si...
Et ça fait si longtemps que je ne l'avais pas vue aussi élégante. Et élégante, qu'est-ce qui se passe? Où est ma mère? Rien du tout. Maman pète juste la forme. Non, et ça c'est encore plus que péter la forme. Tu sais, j'ai remarqué beaucoup de changements sur toi. Maintenant, tu chantes des chansons d'amour quand t'es sous la douche et même quand tu t'apprêtes pour aller au travail. Mon Dieu! En tout cas, tu n'es plus cette femme grognonne que je connaissais depuis que papa est mort. Hein? Qui est cet homme, maman? Allô? Et qui t'a dit qu'il y avait un homme? Voyons, je ne suis plus une gamine. Je sais qu'il y a un homme. Crache le morceau, qui est cet homme? Ok, il y a un homme. Yes! Et il est quelqu'un de très cher pour moi. Mais après mon banjo, bien sûr. Bien sûr, maman. Je suis ravie pour cette transformation. T'es plus la femme grognonne que je connaissais depuis que papa est mort. Je dois rencontrer cet homme. Ok. Je veux que vous fassiez connaissance d'ailleurs. Tu sais, il est très cher pour moi. Et tu es la personne la plus importante de ma vie en ce moment, alors ça me ferait plaisir que vous vous rencontriez et deveniez des amis. Tu ne vas pas t'inquiéter pour ça, je veux dire. Quiconque est capable de te rendre aussi heureuse et automatiquement mon amie. Alors, quand est-ce que je le rencontre? Ok, je lui demanderai de venir à la maison ce soir. Ça t'arrange? Totalement, d'accord. J'étais censée sortir, mais j'annule tout. Ce qu'il te reste à faire, c'est d'emmener cette beauté qu'il te reste au travail et revenir avec ton bébé. Mon chou. J'aime cette résonance. Oui, c'est bon. Je viens juste d'envoyer 300 000 naira dans ton compte. 300 000 naira? Pour moi? Oui. Oh. Tu peux faire de ça ce que tu veux. Tu peux aller faire du shopping et prendre soin de toi. Après tout, à quoi ça servirait à maman de faire de l'argent si ce n'est pour prendre soin de mon bébé? Fais du shopping, achète ce que tu veux avec. Et oui, il viendra à la maison ce soir, ok? Nous allons probablement avoir un dîner. Wow. Alors, comment tu trouves, maman? Tu es magnifique! Vraiment? Ouais! Merci. Ok. Ouais. Oh mon Dieu! Au revoir, mon bébé. Qu'est-ce que tu m'as fait, Kenneth? De quoi est-ce que tu parles? Ce n'est pas la Mofée que je connaissais depuis que mon mari est mort. Je t'ai fait l'amour au bureau, à la maison, partout. Et je me suis totalement amusée. Maintenant, je ne peux plus passer une journée sans penser à toi, envie de toi. Tout ce que je fais actuellement doit avoir un petit bout de toi. Ah, Mofé. Tu n'as absolument rien à craindre, Mofé, parce que je t'ai donné mon corps et mon âme. Ok? Je t'aime, Kenneth, de toute mon âme. Et moi, je t'aime encore plus. Je t'aime tellement. Non, Kenneth. Ne me dis pas que tu m'aimes si tu ne le penses pas. Et parce que je ne suis pas une femme facile quand il s'agit d'amour.
C'est la raison pour laquelle je suis restée loin de tous les hommes qui voulaient sortir avec moi. Parce que je ne voulais pas qu'ils réveillent en moi ce sentiment d'amour que j'ai enterré depuis que j'ai perdu mon mari. Kenneth. Oui. Quand j'aime, j'aime. J'aime ma mort. Et je combats tout ce qui se lève contre mon amour. Donc fais attention quand tu me dis que tu m'aimes. Je ne suis pas là pour jouer avec toi, Mofé. Car je veux plus que l'amour venant de toi. Je veux t'épouser, Mofé. Je te veux dans mes bras lorsque je vieillirai. Je te veux pour l'éternité. Je t'aime, Kenneth. Je t'aime. Merci. Merci, chérie. Merci, merci de m'avoir donné une chance. Et je te promets ici et maintenant que je ferai tout mon possible pour te protéger tous les jours. Tant que j'aurai le souffle de vie. Je suis là pour toujours, bébé. Je t'aime. Je t'aime encore plus. De tout mon cœur. C'est maman. J'espère qu'elle est venue avec son prince charmant. Bienvenue, maman. Comment ça va, chérie? Je vais bien. Ouais. Est-ce lui ton prince charmant? Oui, c'est mon prince charmant. Ok, Kenneth, je te présente ma fille, Vina, Vina, Kenneth. Ravi de te connaître. Enchantée aussi. Tout le plaisir est pour moi. Bienvenue dans notre humble demeure. Et au dîner, tout préparé par moi. Ok. T'as cuisiné? Bien sûr. Mais t'as pas cuisiné depuis longtemps. Je sais. Tu sais, quand tu attends un charmant invité comme Kenneth, tu dois aller à la cuisine miser sur tes talents culinaires et faire une tuerie. Soyez le bienvenu une fois de plus. Merci. Alors, bien sûr. Oui. Ma mère et moi allons vous rejoindre dans une seconde. Thank you.
Bonjour, maman. Comment ça va? Qu'y a-t-il? Rien. Rien? Tu m'as l'air inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, Vina. Rien du tout. Excuse-moi. Oui, j'arrive. Bonsoir, madame. Madame, comment puis-je vous aider? Madame, vous cherchez quelqu'un? Kenneth, je veux voir Kenneth. Oh, vous voulez dire mon oncle Kenneth? Ouais. Ok, madame, est-ce que vous allez bien? Je veux voir Kenneth. J'essaie de le joindre depuis 4 jours, mais son téléphone ne passe pas. Ok, désolée madame, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Mophée et je suis son amie. Il est là? Oh, pourquoi est-ce que oncle Kenneth s'est-il fait des amis ici, alors qu'il était là juste pour 2 semaines? Madame, il est rentré à sa base. Il y a 5 jours, avant que ma mère et moi ne rentrons de notre voyage d'Abuja. Oh, je vois. Oui, madame. Mais il n'a jamais mentionné le fait de rentrer à sa base ou... Alors, où pourrais-je le trouver? Oh, madame, actuellement, il se prépare pour son mariage, qui aura lieu dans 2 semaines. En fait, il est venu se préparer pour son mariage pour éviter la distraction. Il est rentré. Oh, madame, si vous avez un message à lui passer, laissez-le moi et j'en ferai part à ma mère. Elle lui en parlera. Madame. Madame, est-ce que ça va? Madame! Maman, il est minuit passé et tes téléphones sont éteints. Comment peux-tu rester si tard et mettre tout le monde dans l'inquiétude? Maman, es-tu... Qu'est-ce qu'il y a? Maman! 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 Jan! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi!
Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Maman! 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 Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Bienvenue dans ma boutique. Oh, merci. Quelle est magnifique. Ça l'est vraiment. C'est très beau. Quel joli imprimé africain vous avez là. Vous m'en rappellerez quand j'irai à Dakar. Oh, wow. La plupart de ceux que vous avez choisis viennent actuellement de Dakar. Oh, vraiment? Oui, madame. Vous y allez souvent? Oh, oui. J'irai à Dakar ce week-end pour faire du shopping pour mon mariage. Et ça ne sera pas juste pour le shopping, mais pour la lune de miel également. Oh, waouh! C'est super! Vous savez, vous avez l'air d'être une femme très intelligente. L'homme qui vous aura comme femme doit être reconnaissant envers Dieu. Oh, mon Dieu! J'aurais souhaité que mon fiancé soit là pour entendre tout ça. Mais c'est un chic mec, et je remercie le ciel de l'avoir dans ma vie. C'est super. Alors, quel est votre nom? Je suis Jocelyne, madame. Jocelyne? Oui, madame. Ok, prenez-en plus, faites-vous plaisir. Je okay, pense que ça, est beau. Vous irez nettement mieux. Oh... Ça vous ira à merveille. Merci. Ça va aller. Je vais revenir très bientôt. Et cette fois, je vais en prendre pour ma fille. Elle vient d'être admise à l'école à Londres. Et je veux qu'elle porte toujours de l'Afritude. Super. Vous savez, pour qu'elle soit attachée à l'Afrique. Très bien. Bonne décision, madame. Ouais, ouais. Ça fait combien tout ça? Plus c'est 2. 6 pièces. Ok, madame. Tout ça fait environ 460 000 naira. Waouh! Mais je vais vous faire un énorme rabais. On peut faire 400 vœux, madame. Ok, d'accord. C'est gentil, c'est super. Ok, alors, madame, vous payez cash ou avec une carte? Avec ma carte, s'il vous plaît. Ok, madame. Venez là, s'il vous plaît. Alors, où étais-tu avant d'arriver là? Tu ne m'as pas...
Vraiment? Oui. Donc tu es allée seule sans moi. Tu vois maintenant. Et après tu vas prétendre m'aimer. Mais tu sais que je t'aime. Vraiment? Oui. Vraiment? Vraiment? Oh mon Dieu! Voilà ta meilleure cliente. Bébé, s'il te plaît, attends un instant, j'arrive. Oh, ok. Bonsoir, madame. Jocelyne, c'est ça? Waouh! Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens souvent là, vous voyez, pour me détendre. Oh, wow. Et que faites-vous là? Je suis ici avec mon fiancé pour passer du bon temps. En fait, j'aimerais que vous rencontriez mon fiancé. Ok, super, c'est d'accord. Venez! Oh, bébé, je te présente ma cliente, celle dont je t'ai parlé. Ma meilleure cliente. Enchantée de vous rencontrer, moi, c'est Mofé. Oh oui, bébé. Pourquoi fais-tu cette tête? Je vais bien. Tout va bien. Ok, si tu le dis. Ça va aller. Kenneth, est-ce que tu peux me parler? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Nous y sommes presque. Ça va, t'inquiète. Voyons, Kenneth, tu peux arrêter avec tout ça? Pourquoi est-ce que tu refuses de me parler, de me dire ce qui te perturbe autant? Nous sommes arrivés. Alors, pouvons-nous entrer à présent? Non, je n'entre pas. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu ne viens pas » Le plan, c'était d'être ensemble cette nuit. Ouais. Passer du temps ensemble. Ouais, je sais. S'amuser. Je sais. Je veux juste rentrer. Je ne suis pas d'humeur. Ken, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mon cœur, je vais bien. Je veux juste rentrer et me remettre les idées en place. Bébé, quand nous sommes sortis plus tôt aujourd'hui, tu étais joyeux. Je sais. Et tout d'un coup, ça a changé. Je suis juste épuisé. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ok, c'est bon, on peut parler davantage. Tu sais quoi? Allons à l'intérieur, discutons. Quoi? On en reparlera demain, c'est promis. Donne-moi juste le temps de me reposer. S'il te plaît, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Il ne s'agit pas de toi. Ok, allez. Laisse-moi partir avant que la nuit ne tombe. D'accord? Je viendrai te voir demain. Ok. Allô? Elle est là. Elle est là pour me chercher. Elle est là. Arrête de crier dans mes oreilles. Qui est avec toi? Mais je te parle de ta mère. Elle est là. Elle est dans cette ville. Elle me cherche. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh. C'est donc là-bas qu'elle est partie. Je la cherche depuis 3 jours maintenant. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Donc tu savais qu'elle venait de ce côté de la ville et tu n'as pas essayé de m'informer pour que je puisse me préparer et quitter cette ville. Comment j'allais savoir qu'elle venait te voir? Quoi? Tu ne le savais pas? Comment t'a-t-elle retrouvée en passant? Ça doit être ma sœur. Je n'aurais pas dû lui parler de ta mère. C'était une très grosse erreur. Oui. T'as fait une erreur en partant avec tout l'argent que ma mère t'a donné sans donner ma part. C'est la plus grosse erreur de ta vie. Vina, s'il te plaît, pas maintenant. N'ose même pas me menacer, ok? Pas maintenant.
Ce n'est pas une menace, tu étais censé me donner ma part de l'argent. Mais tu as disparu dès que tu l'as reçu. Vina, ce n'est pas le moment idéal pour parler de tout ça. Trouve une solution pour faire sortir ta mère de cette ville. Ok, et ensuite toi et moi nous pourrons parler de tout ça. On va s'arranger, je te donnerai tout ce que tu demandes. Mais pour l'instant, fais-la sortir de cette ville, s'il te plaît. Bien. Où est-ce qu'elle est logée? Dans un hôtel. Ok, j'aurais besoin que tu me textes son adresse. Demain à la première heure, je prends le premier vol. D'accord? Ok, je vais faire ça. Une dernière chose. Tu ferais mieux de m'attendre avec mon argent dès demain matin. Tu as mon numéro de compte. Écoute, je... Ne me donne pas des excuses, Kenneth. Ok? Je veux mon argent demain matin. Et... Si mon argent n'est pas là dès demain matin, je te promets que ma mère sera le dernier de tes petits soucis actuellement. Allô? C'est terrible. Ma mère a retrouvé Kenneth. Qu'est-ce que je dois faire? Je savais que tu allais venir me voir ce soir, l'amoureux. Je savais que tu allais venir. Qu'attends-tu de moi au juste, mon fait? Et comment m'as-tu retrouvé? C'est comme ça que tu salues la mort de ta vie? Hein? Monsieur l'amoureux. Je ne sais pas ce que tu manigances, mais si tu es là pour me rendre la vie impossible, je n'hésiterai pas à te détruire complètement. Je vois. Tu te souviens de ce vin? Te souviens-tu comment tu aimais le boire avec moi après avoir fait l'amour passionnément? Si tu es venu ici pour faire en sorte que moi je couche avec toi, je t'assure que c'est raté, mon fait. Parce que je vais me marier à Jocelyn. Seulement dans quelques semaines et personne ne m'en empêchera. Ce mariage ne verra pas la lumière du jour. Jamais. Qu'est-ce que tu viens de dire? T'es soudainement devenu sourd. J'ai dit que tu es à moi et à moi toute seule. Et je ne suis pas prête à te partager avec une autre femme. Tu as perdu la tête. Tu as complètement perdu la tête. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai perdu la tête. En fait, je suis dingue. Plus dingue que tu ne l'imagines. Tu m'as promis l'amour. Tu as promis de ne jamais me briser le cœur. Quand tout ce que tu faisais en ville était de rester chez ta sœur qui finalisait l'arrangement de ton mariage. Tu aurais dû me laisser, Kenneth. Non. Tu es venu arroser les sentiments que j'ai essayé de supprimer. Et ça signifie que tu n'iras nulle part. Nulle part. Mofet, dis-moi tout ce que tu veux, s'il te plaît, afin de mettre fin à toute cette histoire. Ouais, tu sourds? J'ai dit que je te veux. Je te veux. Elle me veut. Tu ne m'as pas bien écouté, mon frère. Si tu penses que nous allons nous remettre ensemble, tu as tout faux. Je vais me marier.
Et si tu penses que tu complotes quelque chose, sache que tu as échoué parce que je vais personnellement aller dire à Jocelyne comment je lui ai fait du mal, comment j'ai trahi tout notre amour. Et je suis certain qu'elle m'aime assez pour me pardonner et m'épouser malgré tout. Donc tu vois, tu as perdu. Tu vas être très choqué. Très choqué. Ça, je te le promets. On verra bien. Tu seras très surpris, Kenneth. Bien, je suis là aujourd'hui pour notre mariage. Viens, on y va, mon bébé. Arrête. Donc c'est ça que tu nous as fait? Tu m'as trompé avec cette femme. Après m'avoir déclaré ton amour. Il ne t'a pas seulement trompé, ma chérie. Il va aussi payer votre mariage avec mon argent. Notre mariage, mon argent. Pas vrai? Non. Ce n'est pas vrai. Ken, est-ce que tu comptes payer notre mariage avec son argent? Réponds. Tu vois, il est tellement calme. C'est une belle preuve de culpabilité, n'est-ce pas? Non! Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, Ken. Je ne peux pas épouser un homme qui m'a menti. Ne dis pas ça. Je t'aime, bébé. Non! Viens, s'il te plaît. Viens. Non, 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 ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Écoute. Je t'avais prévenu. Tu aurais dû me laisser et rester très loin de moi quand je te repoussais. Tu n'aurais pas dû. Non. Cette femme va tout gâcher. Cette femme veut absolument tout gâcher. Elle veut absolument tout gâcher. Je ne peux pas perdre Jocelyne comme ça, c'est impossible. Non, je ne peux pas perdre Jocelyne, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Allez, Kenneth. Allô? Allô, Jocelyne. Bonjour. Bonjour, madame. Comment tu vas? Je vais bien. T'es déjà au magasin? Oh oui, j'y suis. Oh, super. J'aimerais te voir. Il y a quelque chose d'urgent dont j'aimerais discuter avec toi. Ok. Ah, ok.
Je suis au magasin. Vous voulez passer tout de suite? Eh bien, j'arrive dans une heure. Très bien, madame. Je vous attends. D'accord. Tout à l'heure. Je suis déjà en chemin, ne t'en fais pas. Je serai un peu en retard, mais je vais arriver, ok? J'arrive. Salut, chérie. Hola. Comment m'as-tu retrouvé? Oh, j'ai pensé que tu pouvais me fuir pour toujours. C'est ça? Dieu merci, Vina m'a donné ton adresse. Me voici. Alors nous pouvons parler. Nous pouvons parler, mais pas maintenant, ok? Je dois aller à l'aéroport. Vina est là, je dois aller. Je sais qu'elle est là. Écoute, c'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas qu'on perde du temps. Je suis venue ici pour quelque chose d'important. Donne-le-moi et je m'en irai d'ici. Tu n'écoutes pas ce que je te dis, n'est-ce pas? Je suis en train de dire qu'on peut le faire, mais pas maintenant, ok? Laisse-moi juste le temps de partir et de revenir, tu vois? Oh, pour que tu ailles chercher Vina, pour qu'elle t'aide à convaincre sa mère de ne pas gâcher ton mariage, c'est ça? Kenneth, comment est-ce que je n'ai pas pu voir ce côté égoïste dès le départ? Qu'est-ce que tu veux? Je veux mon argent. Nous avions un accord et tu l'as fichu en l'air. Après avoir pris mon argent. Après avoir pris tout mon argent. Ok, t'inquiète, calme-toi, écoute. Je sais qu'on avait un accord, mais je te demande de te calmer. Ok? Calme-toi, donne-moi un peu de temps. Laisse-moi en finir avec tout ça. Ensuite, toi et moi, nous allons nous voir dans un hôtel et régler tout ça. Vina m'a dit que tu as pris 10 millions à Morphée. Je veux tout cet argent. Tout cet argent. Et je le veux maintenant. Je dois avouer que tu es très égoïste. Tu veux quoi? Tu veux tout l'argent? Tout l'argent. Arrête ton cinéma. Kenneth, je ne veux pas seulement les 10 millions de Naira, mais également les 14 millions de Naira que tu vas récupérer chez Morphée la semaine prochaine. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as perdu la tête? Oh là. Tu sais quoi? Ça suffit avec ces conneries. Sors de chez moi. Éteins? Éteins? Ce gars est un blagueur. Tout d'abord, il me laisse planter à l'aéroport. Maintenant, éteins. Ce mec joue avec le feu. Est-ce que tu vas t'en aller? Sors d'ici, sors de chez moi, tu veux? Sors de chez moi! Je ne m'amuse pas avec toi, Kenneth. Donne-moi ce que je veux. Mais qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas d'argent. Bon, d'accord, oui. Mon fils m'a donné 10 millions. Mais j'ai presque tout mis dans les préparatifs de mon mariage. Je n'ai plus d'argent. Assez de tout ça. Tu sais bien que je ne parle pas d'argent, là. Oh. Vraiment? Et pourquoi es-tu là? Je veux les nudes, photos et vidéos que tu as prises de mon fils. Quoi? Comment es-tu au courant de ça? Vina me l'a dit. C'est une bonne fille qui pense qu'elle s'adresse à la meilleure amie de sa mère, qui prendra toujours sa défense. Alors j'ai besoin de ses photos et vidéos maintenant. Mais pourquoi? Parce qu'avec ses photos, je pourrais faire du chantage à Morphée et obtenir tout ce que je veux d'elle. Tu es quel genre d'ami, toi? Mais c'est ton ami, c'est ta meilleure amie. Est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire? Comment le saura-t-elle?
Allez, arrête. Ah. Tu as vraiment perdu la raison, Ola. Tu as complètement perdu la raison. Kenneth! J'ai... Tante Ola? Que fais-tu ici? Oh, Vina, sois la bienvenue. Tu peux t'asseoir et rejoindre la partie. Kenneth, n'as-tu donc pas de dignité? Oh mon Dieu, tu couchais avec la meilleure amie de ma mère, en même temps tu couchais avec ma mère? Bonté divine. Ce n'était pas une liaison, nous l'avons juste... Oh la ferme! La ferme! Espèce de vieille garce, pourquoi traites-tu ma mère de la sorte? Comment espères-tu qu'elle se sentira tout en sachant que t'as couché avec lui? Elle l'aimait vraiment! Je suis l'amie de ta mère. Tu te souviens? Tu devrais plutôt te préoccuper du fait de savoir ce qu'elle va ressentir quand elle va apprendre que tu l'as vendue à un étranger, connaissant sa vulnérabilité. Tu es cruel! Je regrette! S'il te plaît, bébé, s'il te plaît, essaye de m'écouter. Vin, tu as fait tout ça? Tu as fait ça? Écoute-moi, bébé. N'ose pas! Je te demande pardon. Je suis justement venu confirmer tout ce que cette femme a dit au magasin. Mais actuellement, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Mais j'ai ce pressentiment que tout ce que m'a dit cette femme est la vérité. Non. Ma chérie, écoute. Essaye de te calmer. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour tout expliquer, mais je vais le faire. Que se passe-t-il ici? Quelqu'un peut-il me dire ça? Ferme-la. Avancez. Lâche ça. Calme-toi. Dépose ça, s'il te plaît. Toi, mon fée, ferme-la. Avant que je ne le fasse à ta place. Tu te trimbales partout comme si tu étais un œuf. Pourtant, ça n'a pas pris une seconde à cet idiot pour rentrer dans ton slip. Anna, s'il te plaît. Oh oui. Tu penses toujours tout savoir. Mais tu n'as pas été assez maligne pour voir que ce jeune homme s'est intéressé à toi juste pour pouvoir te dépouiller. Et j'imagine également que tu n'as pas su que ta fille avait tout manigancé. Maman, elle a raison. Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. Si seulement t'avais été la femme que tu devais être depuis que papa est mort. Tout ce que je voulais était qu'il te fragilise un tout petit peu pour que je puisse avoir tout ce que je voulais. Mais le bâtard a disparu après avoir reçu les 10 millions. Je lui ai également donné 200 000 naira pour qu'il obtienne des photos et des vidéos compromettantes de toi. Mais je me suis aussi fait avoir. Mais je suis là pour rectifier les choses. Parce que tout le monde ici présent sortira d'ici heureux. Oh mon Dieu! Kenneth! Tu m'as dit que tu étais envoyé pour un voyage d'affaires. Quand tu as voyagé il y a 6 semaines de cela. Oh mon Dieu! Je suis désolé. Vina m'est apparue et elle m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. C'était au moment où nous avions besoin d'argent, on planifiait le mariage et il nous fallait du cash. Je ne faisais que jouer le jeu, je suis désolé. Quoi? Je suis désolé. Comment as-tu osé, Ken? Comment as-tu pu
utilisé notre mariage comme excuse pour m'apporter de la honte et du déshonneur. Bébé, c'est la vérité, je suis désolé. Je dois juste tout avouer. Ok, n'oublie pas les événements qui nous ont menés au moment où j'ai menti. Où j'ai menti que je devais voyager pour les affaires de la compagnie. N'oublie pas comment les choses se passaient entre nous. Je suis désolé. Je ne te comprends pas, Ken. Quand est-ce que tu préfères avoir tout ce dont nous avons besoin pour notre mariage? Il ne nous reste plus que 4 mois avant notre mariage. Je t'ai déjà tout dit, bébé. Donne-moi juste un peu plus de temps. Plus de temps? S'il te plaît, Ken, ne t'affiche surtout pas de me mettre en colère. Tu veux du temps pour quoi? Je t'ai donné tout le temps dont tu avais besoin. Et que veux-tu que je fasse? Aller cambrioler une banque? Oh oui. Ou arnaquer une personne? Va donc dérober une banque, Ken. Je n'en ai rien à foutre. Non. C'est quoi ton plan? Me foutre de la honte? Jamais. S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est, Ken? Mais qu'est-ce que c'est, hein? Mais, bébé, pourquoi... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si hostile? Je suis venu te faire une surprise. Comme tu peux le constater, je suis occupée. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que t'es occupée, chérie, mais du calme. Essaye de te calmer. Je suis quand même ton futur mari. Relax. Vas-y, pars. Je t'écoute. Je suis très occupée, Ken. Ok. Pourquoi t'es agressive? Relax. Je sais que tu es beaucoup occupé depuis un certain moment. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être aller déjeuner aujourd'hui et ensuite t'emmener dans un spa. Tu travailles vraiment très dur ces jours-ci. Je pense que t'aurais besoin de... Oui, chérie. Je ne veux pas manger, alors tu ne peux pas m'amener déjeuner. Et si je voulais aller au spa, j'y serais allée de moi-même. Je suis occupée. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai dit que je suis occupée. Mais... Comment veux-tu que je t'explique ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Chérie, je t'aime. Je veux juste être... Je veux juste te faire sortir. Je veux juste faire du bien à ma femme. Je veux simplement être un homme bien pour toi. Pourquoi me traites-tu de la sorte? Pourquoi es-tu si hostile à mon égard? Tu m'aimes. Oui, est-ce que c'est l'amour qui va régler nos projets de mariage? L'argent n'est pas complet, nous comprendons-tu pas? Mais nous y travaillons. Tu m'avais dit que tu veux m'amener déjeuner, tu veux m'amener au spa. Cela va-t-il régler notre mariage? L'argent, nous avons besoin d'argent. Complète l'argent. Mais nous aurons cet argent, calme-toi. Cesse de me dire que nous l'aurons. Et arrête de venir dans ma boutique. Me dis que tu veux m'amener déjeuner. J'ai un problème de nourriture. Je veux t'amener au spa. Comme si j'avais un problème de spa en ce moment. C'était une semaine après qu'on se soit battu que Vina m'a approché avec cette folle idée de séduire sa mère pour des profits financiers. Et vu la situation entre toi et moi, je ne savais pas quoi faire et au lieu de m'échapper, j'ai accepté le deal. Je vois. Mon attitude t'a poussé à faire ce que tu ne devrais pas faire en tant qu'homme. Jocelyne, un homme, c'est son honneur et sa parole. La femme n'est qu'un soutien. Mais toi, tu n'étais pas là pour moi. Tu m'as combattu. Si tu m'avais aimé, si tu m'avais apporté du soutien, si tu m'avais encouragé, si nous étions en paix, les choses seraient probablement différentes. Je n'aurais probablement pas accepté ce fichu deal et puis... On ne serait pas là avec cette femme qui est placée là, pointant une arme sur nous. Tu sais quoi? Ce mariage est vraiment terminé. Je t'en supplie, bébé. C'est juste un petit problème que nous pouvons gérer après. Je t'aime. Et tu sais que c'est après vrai... Après m'avoir trompé? Et vu la façon dont tu t'y es pris, tu me dégoûtes à présent. Il t'aime, Jocelyne. Quoi? Ouais. Il t'aime. J'ai connu l'amour d'un homme auparavant. Alors je connais le véritable amour quand j'en vois un. Il a couché avec vous. S'est enfui avec votre argent. C'est un acte répugnant.
dit qu'il t'a envoyé les 10 millions de naira que je lui ai virés. N'est-ce pas? Oui. Alors, c'est de l'amour authentique. Il faut avoir un amour véritable pour pousser un homme à faire ça. Tu sais, quand on venait là, je venais avec l'intention de vous voir vous séparer. Oui, j'avais cette intention. Tu sais pourquoi? Il était à mon hôtel la nuit dernière et on a discuté. Je pouvais voir le feu dans ses yeux. Son désir ardent de t'épouser. Alors, j'étais consumée par la jalousie. Je voulais qu'il ressente son cœur brisé comme je l'ai ressenti. Je voulais que vous vous sépariez. Mais voir ce qui se passe sous mes yeux en ce moment, je ressens de la peine. Vraiment. Vina, la raison pour laquelle je ne t'ai pas donné accès à autant d'argent n'est pas parce que je te déteste, non. Je voulais juste que tu sois une femme indépendante. Je voulais que tu sois plus prudente dans la vie. J'ai tellement honte de moi en ce moment pour avoir donné 10 millions de naira à un homme pour du bon sexe. Je suis désolée. Maman, attends, je vais tout expliquer. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. J'ai tellement honte de moi. Quoi est-ce que je pensais? Depuis que papa est mort, t'as toujours été bien, forte et gentille avec moi. J'ai été si égoïste. Mais maman, je suis tellement désolée. C'est bon. Désormais, je te promets que nous allons être une famille heureuse. Nous allons rester ensemble à nouveau, ok? Et je te donnerai tout ce que tu voudras, ok? Je t'aime. Fermez-la! Et voilà, tu le fais encore. Toujours en train de m'ignorer. Comment oses-tu m'ignorer, même quand je tiens une arme dans la main? Parce que tu as été stupide, Ola. Oui. J'ai été aussi stupide. Ok? S'il te... Mets cette arme de côté, s'il te plaît. Et je te promets que... Je vais te laisser partir. Je vais tout laisser passer tant que tu ne te rapproches pas de ma famille et de moi. Pour qui diable est-ce que tu te prends? Et qu'est-ce qui te fait penser que tu peux me rabaisser de la sorte? Écoute, assez. Ah, ok. Je vous ai tous écoutés. Parlez. Et maintenant, c'est à mon tour de jouer la carte. Kenneth. Regarde-moi. Je ne suis pas en train de plaisanter. Donne-moi toutes les vidéos que tu possèdes de vous en train de coucher ensemble. Et je ne suis pas en train de blaguer cette fois. Donne-les-moi immédiatement. Thank you.
Je ne les ai pas prises. Quoi? Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais juste pas le faire, je ne pouvais pas faire subir cela à Mofé. Oui, j'ai été un sale type, c'est vrai. Je lui ai volé un peu d'argent, oui, je le sais. J'ai eu des rapports avec elle, oui, je le sais aussi. Mais cette femme a été très gentille envers moi. Vraiment très gentille. Elle a été douce et très attentionnée. Je n'avais aucune raison d'être aussi méchant. Et accepter ton plan de lui faire du chantage avec ses photos, non, je ne pouvais pas l'accepter. Tu traites cette femme ici présente de douce et de gentille. Peut-être envers toi, mais envers moi, elle n'est pas gentille, encore moins douce. De quoi est-ce que tu parles? Je parle du fait que tu sois une très mauvaise amie. Combien de fois est-ce que je suis venue vers toi pour de l'argent? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as tourné le dos, même quand tu savais que mon mari et moi traversions des moments difficiles. Hola, tu ne m'as jamais demandé de l'argent pour quelque chose qui valait le coup. Tu m'as toujours demandé de l'argent pour aller en vacances, faire du shopping ou acheter une voiture. Et tu ne t'attends pas à ce que je te donne ce genre d'argent tout simplement parce que je l'ai dans mon compte. Ce n'est pas normal. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas du tout de problème. Mais tu sais quoi? Tu vas me donner ma part de 10 millions de Naira comme tu lui as donné. Et ça, tu vas le faire maintenant. Arrête ça, Ola, s'il te plaît. Maintenant, fais gaffe à ce que tu dis et à ce que tu fais avant que tu ne fasses quelque chose de stupide. Non. Ceci est la seule chance que j'ai d'obtenir quelque chose de toi. Donne-moi cet argent et tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Chérie, s'il te plaît, arrête-moi ces conneries. Mets cette arme de côté, s'il te plaît. Non. Tout le monde a obtenu quelque chose. Je veux également ma part. Attends, doucement. Laisse-moi t'aider. Voilà. Ah, d'accord. Maman, tu sais, j'adorais quand même quand t'étais avec Kenneth. Tu étais si heureuse, remplie d'amour. Et ça me rend triste de penser que t'as arrêté de chercher l'amour et le bonheur maintenant que tout ceci se soit terminé. Qui a dit ça? Que je vais cesser de chercher l'amour et le bonheur? Hein? Tu vois, Kenneth a simplement réveillé un dragon endormi. Et si tu m'aimais quand j'étais avec Kenneth, je m'aimais aussi. Mon expérience avec Kenneth m'a simplement appris une leçon. Je vais ouvrir mon cœur au véritable amour. S'il vient, il sera accepté. Mais cette fois, je serai plus prudente. D'ailleurs, tu sais quoi? Quoi, maman? Quand ça sera guéri, on ira faire du shopping. Tu vois, je veux changer ma garde-robe. Tu vas choisir des fringues que je vais porter pour aller en boîte. Oh, attends. Quoi? Boîte de nuit? Maman! En fait, tu vas venir avec moi. N'est-ce pas, tu te vantes souvent que tu sais bien danser? Et que tu le fais mieux que moi? Tu vas me le montrer ce jour-là en boîte. Ça sera trop bien. Maman, attends, je vais t'apprendre toutes les nouvelles piches. Attends, tu mets ta main derrière, comme ça. Attends, ok. Regarde. Donc, tu es sérieuse que je dois... Désolée, maman. On va aller... La voiture, par là. Viens, suis-moi. Désolée. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.